know what it means. Oriental poison. Wassalam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est là pour la suite de tout ce qui s'est passé hier parce que comme vous le savez, au lieu de vous faire une vidéo de 40 minutes ou de 50 minutes, je préfère vous faire des vidéos plus courtes mais en termes de série, comme ça, ça vous fait comme si vous avez une petite série que vous suivez sur la chaîne GameX13. C'est pas la première fois qu'on vous fait ça et on débute pas dans ce style là, c'est-à-dire faire un style de vidéo en série. Bref, aujourd'hui, on a tout monté, on est donc arrivé, hein, on a tout ramené à la maison avec le camion, comme je vous disais tout à l'heure, on avait attaqué le déménagement, et tout simplement, on a attaqué tout le matériel, on a fait le lit, comme vous voyez déjà, voilà, là, on a fait la télé qui est ici, voilà, pour l'instant, c'est des trucs provisoires, c'est provisoire, on n'a pas encore reçu le vrai meuble de la télé, on n'a pas encore reçu notre télé qu'on va mettre ici. On n'a pas encore reçu l'armoire, on n'a pas encore reçu plein de choses. Les deux commodes, elles sont là, elles sont déjà montées, prêtes, toutes faites, prêtes à être assemblées. Donc aujourd'hui, pendant qu'il y avait une équipe qui ramenait, il y avait une équipe qui, tout simplement, comment dire ça, montait. On a hier juste déplacé 14 cartons. Aujourd'hui, on a déplacé plus de 40 cartons. On a déplacé mon lit, mon bureau, qu'on a dû démonter et remonter ici, le bureau de l'IA, la machine à laver, le frigo, l'écran que vous voyez ici, le petit meuble. On a déplacé plein de choses aujourd'hui. On a ramené même des petites broutilles, des sacs ici, jusqu'au sac ici, jusqu'au sac ici. Et il y a encore des choses en haut. On a ramené également le micro-ondes et le four. Mais pour ça, je tiens à remercier une personne qui ne m'a pas lâché. Je tiens à remercier tout avant tout le monde, Pierrick qui était venu, aussi qui est parti donc vous ne l'avez pas vu, et bien sûr Alex. Salut les abonnés. Alex, il m'a aidé pendant 13 heures. Il a commencé hier. Mirza, tu veux bien arrêter avec tes pattes? Oh! Demain, comme je disais, il nous restera quelques petites choses à ramener. Et normalement, on n'a plus qu'à attendre gentiment que les colis arrivent. Mais attendez, je ne vous ai pas encore montré la pièce la plus folle. Par contre, les frères et sœurs, si vous voulez vraiment, vraiment me soutenir pour ceux qui me disent soutien, nanani, nanana, je vous demanderai juste un truc. Je vous mets la page de son magasin. Il a un magasin d'airsoft. Vous savez ce que c'est des airsoft? C'est tout simplement des répliques. Et en fait, tu tires avec des billes au lieu de tirer avec des balles, d'accord? Mais c'est des répliques d'armes réelles, d'accord? Donc, si vous aimez tout ce qui est Call of Duty, Battlefield, armes vraies ou fausses, c'est ce que je vous conseille, d'accord? Leur Facebook sera en description. T'as un truc à rajouter? Mettez des pouces bleus. Ça me ferait plaisir. Ça, c'est le juste retour de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous mettez un max de likes, les gars, et franchement... Je dis les gars et les filles, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et en tout cas, bah, merci. Merci. Alex a été vraiment choqué parce que hier, l'espace commentaire, il n'y avait que des merci Alex. Il n'y avait plus de commentaires, il n'y avait que des merci Alex. Vous avez que des merci Alex. Comme je disais, une super bonne communauté. Continuez, vous êtes des bons. On leur montre la suite, on leur montre ce qu'on a fait aujourd'hui. Venez, venez, venez. Parce qu'il faut qu'on vous montre avec Alex. Parce que nous, on ne parle pas, on montre. Venez. Mais on est... ouais, okay. Tout à l'heure, pour nos femmes, on allait leur acheter. En plus, attends. On s'est tapé un déménagement de ouf. Et en plus, on est des gentlemen. On est allé, je suis allé à Monoprix. T'as pris des tartes au chocolat? Oui. Ah, ça va alors, tout va bien. Il a eu peur un court instant. Ouf. Parce qu'on a acheté des tartes au chocolat à Monoprix, à la boulangerie. On a pris des bons gâteaux, des bons trucs au chocolat à la boulangerie. Après, on est parti pour moi et sa femme, parce que nous, on n'était pas trop McDo, on était plus poisson. Donc, on est parti Sushi Shop, voilà, pour moi et sa femme. Après, pour l'IA et lui, c'était un petit McDo. Toi, t'as mangé quoi? Tu peux leur dire, si tu veux. Ouais, je mangeais un Maxi Best of Big Tasty. Et toi, l'IA? Veggie. Voilà. C'est leur truc. Comme ça, les gens, ils sont au courant. Hop. Alors là, ici, vous allez être choqués, je sais. Et on n'a pas encore fini. Ouais. Alors ici, j'ai fait un truc très simple. J'ai mis les chaussures. Ici, j'ai fait tout par ordre. Ici, j'ai mis tout ce qui était cuisine. Ici, j'ai mis tout ce qui est papier. Nos affaires, nos papiers et tout.
Non, c'est ici les papiers. Ici, j'ai plutôt mis, c'est simple, les trucs de la salle de bain. Voilà, ici c'est les affaires de la salle de bain. Ici, tout ce que vous voyez à partir d'ici, tout ça, tous les cartons derrière que vous voyez pas également aussi, tous les étages, eh bien, c'est mes affaires et les affaires de l'IA. Là, ici, c'est nos habits. Là, ici, c'est ce qui est entre les habits et le gaming. Donc, c'est des consoles, des fois, avec des t-shirts, des maillots de foot, plein de choses. Ici, c'est tout ce qui est gaming. Donc, ici, c'est ma partie gaming. Comme vous voyez, mes pop et tout que j'ai rangé. Et bien sûr, ici... C'est votre PlayStation 4 qui vaut que je vous fasse encore gagner avec Yomax. Elle est là. Et vous pourrez vous vanter, hein. La Play que vous aurez récupérée de chez Tonton, elle aura voyagé dans ces deux baraques. Ça fait plaisir. Hop. Tac. On va vous montrer le haut. Alors ici, par terre, c'est normal qu'il y ait un gros truc, hein, énorme et tout ça. Il y a la vitre de ma table en haut. C'est parti, on y va. Alors... Alors, on n'a pas oublié notre petit chéri quand même, notre petit DZ sauvage. Il se promène. Speedy. Je lui mets un carton pour l'instant. Normalement, demain ou après-demain, je vais à l'animalerie et je vais lui acheter ce qu'il lui faut. Voilà. Tu viens, on y va, on monte. Allez, viens. Le passé de priorité. Regarde ça, regarde. Non, regarde pas ça. Il fait ça. Bon, 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 bon. La table sur laquelle on va pouvoir manger. Ici, bah, on va mettre la vitrine. Il y aura une grosse vitrine ici. C'est pas une vitrine, c'est une vitre. Une vitre, une vitrine, c'est pareil. Mon canapé que vous connaissez avant. Le temps qu'on reçoit le nouveau canapé. On n'a pas encore reçu la table. On n'a pas encore reçu la télé. On n'a pas encore reçu le meuble pour la télé. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas reçues. On n'a pas reçu nos, comment on appelle ça, nos cadres. Alors, viens, on fera la chambre la plus importante en dernier. Ici, bah, le frigo. Voilà, ici, hop, le micro-ondes. Ici, le four. Que je n'ai pas pris le temps de caler, mais je crois qu'il ne va pas pouvoir rentrer. Non, il ne rentrera pas. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il faudra peut-être inverser où on verra où on le mettra. Là, il y a une place ici, il y a une place là, il y a plein de places. Oui, oh, regarde, il y a une place ici. Le four ici, c'est nickel. Le four ici, tac. Le micro-ondes, tu le dégages, tu le laisses pas ici, tu le mets ici, tac. Et comme ça, ici, si tu veux faire à manger ou quoi, tu peux te faire à manger tranquillement. Tu vois ou pas dire? Ouais. Voilà. Le nouveau siège qu'on a monté également tout à l'heure. Putain, je les avais pas vus. Ah, ils sont beaux, hein. Ah, carrément, carrément. Ils sont magnifiques, hein. C'est ce que tu l'avais dit tout à l'heure. Voilà, donc ici, c'était ce petit coin là-bas. Ça sert à rien que je vous montre. C'est vide. Bah, filme-moi, madame. Oh, madame, vous filmez une chambre, c'est plus important que ma gueule. Alors, la chambre là-bas, elle est vide. On n'a pas encore ramené le sommier à 3 étages, mais ça va être super facile, en fait. Ça va être même le plus facile. On va commencer vraiment par le plus dur. Alors, du coup, la salle de bain que vous connaissez, les toilettes que vous connaissez, et ici, la chambre gaming qui commence déjà à ressembler à quelque chose. Elle commence à ressembler à quelque chose. Attends, je vais... Toi, filmer. En fait, t'as un problème. Tu veux jamais me filmer, en fait. Bah, je filme. Vidéo. Bah, je leur montre. C'est pas possible, la meuf, elle me filme pas. On s'en fout. T'es la plus mauvaise filmeuse que j'ai jamais vue de toute ma carrière de YouTubeur. Mais je montre comment c'est beau. Bref, ici, les PC. Oh, putain, c'est pas... T'arrêtes avec tes pattes ou je fais les coups? Eh, hey, bah, je vais t'acheter des souchons. Elle découvre en même temps que vous. Bah oui. Je vais t'acheter des souchons. Des souchons, j'ai dit. Des souchons. Malheureusement, des fois. Voilà, en tout cas, ici, c'est mon ancien bureau. Je vais recevoir mon nouveau bureau. Bon, oui, il y a plein de trous parce que j'ai mis des coups de poing dedans. Bon, bah voilà. Ma tour. Hop. Puis voilà. On s'est en tout cas bien occupé de la baraque. Vous avez vu. En un jour, on a déménagé de la maison, pratiquement. On a fait la machine, le four, le micro-ondes, on a démonté le canapé, on a remonté le canapé, on a démonté le bureau, on a remonté le bureau, il y a eu le montage de 2 chaises, il y a eu le montage de la table, il y a eu le montage de notre lit.
Il y a eu la machine à laver, il y a eu vraiment un gros travail en à peine un jour, en à peine 13 heures. Et il y avait 3 bras. 4. 4. Avec le mari de ma tante, 4. 4 bras, franchement, on est allé vite. Hein. Et moi, 5. Parce que moi, je faisais les cartons quand même, je compte. Hein. Alex, ouais. Je compte. Oui, bah bien sûr. 4 et demi. Voilà. 4 et demi. C'est, en fait, c'est le travail invisible. Ouais. Voilà. On ne voit pas, mais il y a besoin de quelqu'un qui fasse des cartons pour qu'on puisse avoir des choses à mettre dedans et les transporter, parce qu'il faut qu'ils soient prêts et ensuite les charger. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, bah, oui. Chacun après, voilà, on a déjà prévu. Enfin, on a déjà prévu ce qu'on va prendre hier avec Alex. On a déjà commencé à mettre les pop et tout. Et puis normalement, demain, tout est fini. Ça sera nickel. Bref, nous en tout cas, on vous dit prenez soin de vous et de votre MIFA. C'était GameX13, c'était Alex et c'était Lia et c'était la maison. Et Mirza. Et Mirza. Et du coup, si tu veux qu'on aille dans ce délire-là, Speedy. Voilà. On vous dit juste prenez soin de vous et de la MIFA. J'espère que cette petite vidéo informative de la maison vous a plu. Si elle vous a plu, explosez la barre des likes. Et puis on continuera un peu la série, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de monter toute la baraque et on va vous montrer progressivement comment la maison avance. C'est à vous de nous montrer si vous aimez ce style de vidéo. On va vous en faire encore quoi ? Une deuxième, et puis c'est fini, on aura fini la maison. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. On vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était Alex, Tonton et Lia. Ciao, ciao, ciao.